Effet sur Axus Prime, l'empereur est extrêmement contrarié. Les ennemis de l'empereur hésitent encore. Je commence juste à gagner leur confiance. Si on me surprend en train de vous parler, ou s'ils ont des soupçons sur mon passé, tout ça n'aura servi à rien. Surtout ne tarde pas à me recontacter. Tu lui fais confiance ? Vador ne compromettra pas ma mission, même s'il se méfie. On est arrivé ? On a atteint Corellia. Et ils sont tous là. Bale et ses alliés. La voilà ton alliance rebelle. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ? Fais-moi confiance. D'accord ? Je ferai ce qu'il y a de mieux. Pour tous les deux. Ah, donc je suis sur la fin du jeu, je crois. Le temps de la diplomatie et de la politique est révolu, c'est vrai. Nous devons agir. Si tu prends le commandement, nous rejoindrons l'Alliance. Je ferai de même. Vous croyez évanoui dans la soute ? J'ai repris connaissance. Alors c'est décidé. Ma fortune financera la rébellion. Garm nous fournira des vaisseaux et Mon Mothma des soldats. Et avec toi à notre tête, nous avons le pouvoir de la force de notre côté. Célébrons ce qu'il est convenu d'appeler une déclaration de rébellion. Aujourd'hui, nous faisons le serment de changer la galaxie. Pour qu'un jour, la galaxie soit enfin... J'ai fait une seule planète ? Eh bah c'était long, c'était, il sera long, c'était l'épisode sur Axis Prime. Proxy, coupe la transmission. Prenez-les vivants. L'empereur tient à les exécuter personnellement. Je te félicite, mon apprenti. Vous ne deviez pas intervenir! Je t'ai menti. Je te mens depuis le début. Vous ne cherchiez donc pas à éliminer l'empereur? Pas dans l'immédiat, non. Sans moi, vous ne serez jamais libre. Oh non! Proxy! Non! Je l'aimais trop ce droïde. Rest in peace, petit droïde. Et là, tu vas me dire qu'il est pas mort. Avec une chute pareille. Bah, remarque, il a dû utiliser la force pour amortir sa chute. C'est terminé. Vador les a tous livrés. À l'empereur. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est bien Vador qui nous a permis d'attaquer des cibles impériales. Il avait tout calculé. Les crédits, les vaisseaux, les soldats de l'Empire. Peu importe les sacrifices. Vador avait besoin de moi pour trouver les ennemis de l'empereur coûte que coûte. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est le sort de l'Alliance qui est entre tes mains. On va chercher Vador. Et les rebelles. Qu'est-ce que tu fais ?
Oh, je médite. Les Jedi arrivent parfois à entrevoir l'avenir. Tu as déjà fait ça? J'ignorais que j'étais un Jedi. La méditation de la Force. Non. Non. Kota! Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Une station spatiale. Gigantesque. Maintiens le champ de dissimulation et reste hors de portée des scanners. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Qui sait, c'est peut-être bon signe. Est-ce que je te reverrai? Si je libère les rebelles, il faudra les évacuer. Je ne crois pas, non. Alors ce sera plus facile d'oublier ça. Adieu, Juno. Voilà. La tenue. C'est pas n'importe quelle tenue, ça, mesdames et messieurs. Si j'ai bonne mémoire. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah, c'est la bière d'aventurier. Ah, c'est pas celle à laquelle je pensais. Je crois que c'est celle-là, celle à laquelle je pense. Ah, je suis dépité. Je regarde vite fait 2-3 trucs. L'apprenti secret de Dark Vador tel qu'il est représenté dans le dessin animé Clone Wars. Ah bon? Ah! Et bien sûr, on va changer le cristal pour la fin. J'aurais voulu le garder. Mais j'ai pas de cristal. J'ai pas de cristal vert. C'est honteux. Merde, j'ai pas changé l'autre cristal. Les attaques au sabre. Non, je vais le garder celui-là. Il est parfait. Alors, où qui sont les Saligos? Oh, un peu trop cher mon goût là. Wow! Mais putain, la vache! Ah, les dégâts! Ça va aller, les dégâts, là, un peu! Saloperie.
Ce qui m'emmerde, c'est les snipers. Ils me cassent les... Comment j'y accède ? Oh, je peux pas y accéder en fait. Il y a moyen que je puisse pas. Il me casse les couilles, toi là-haut, sache-le. Ça va, oui! Oh! Saloperie. Là! Yo l'autre là. Oh putain. Ok, tout va bien, je gère. Merde! Là. Hein, faut que je remonte. Mais tombe pas du coup. Oh putain, c'est pas possible. Non mais... La caméra, s'il te plaît. Mais je me prends des coups de quoi, là, bordel de merde. Là, toi, tu me lâches les couilles, voilà. Là. Putain, il est où l'autre là? Oh, qui me gonfle! Là. Amen. Ah. Maintenant, comment que je monte là-haut ?
avec ça. Tout simplement. Cristal de puissance qui attaque. Ok. D'accord, les gens ils sont méchants. Il y a des vilains pas beaux. Oh. Je suis à l'intérieur. Sois prudent. Le faisceau tire à intervalles réguliers. Tâche de ne pas être là quand ça se produira. D'accord, ils sont méchants, eux. Ils sont pas gentils. Les méchants, oui, c'est eux, c'est les méchants. Ils s'habillent tout en noir, c'est les méchants. Est-ce que vous avez compris? Et j'ai débloqué tous les combos de force. J'ai débloqué tous les combos de force. Oui. Moi je casse tout, moi. Mon Dieu. Les impériaux ont l'air de s'activer. Ils renforcent toutes leurs positions pour t'empêcher d'entrer. Ça les amuse. Ancien sur celui de gauche. Non, ma gauche. Compris. Tu le vois? Pas encore. Mais s'il se montre, on va le pulvériser. Oui, oui, d'accord. Pas de soucis, Nako. You can do it.
Saleté. Non, ok. Hop, bim 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 bim. Sinon il y a ça, ouais, forcément. Déclencher la mise à feu principale. Tirez ces 5, 4, 3, 2, 1, feu. Hé, Macarena. Sérieusement? Donc il m'a fallu 3 streams pour faire le jeu? Ok, d'accord. Ça y est, c'est fini. Wow. Wow. J'ai fait Alice, ça glisse au pays des merguez. Et moi je veux le... Moi je veux le... Tu te trouves dans une chambre d'amplification. Tu devrais voir deux conducteurs rotatifs. Ils servent à augmenter la puissance du rayon.
Ces lasers. L'Empire n'en a jamais construit d'aussi puissant. Et moi je vois la même chose. Non, non. Moi, je veux le chien. Tout ce que je vois, c'est les mêmes fonds dans le fond. Je vois le cristal noir, merde. Déjà ? Mon sabre ! Là, techniquement, mon sabre était pété, hein. Là, mon sabre, il était mouru. Thank you.
Heureusement qu'il n'y a pas de jauge de réparation de sabre. Tu m'étonnes. Je suis sûr que j'ai oublié un holocron quelque part. Tu vas vraiment me faire croire qu'il n'y en a pas là, là ? Je suis déçu. Juno, où est-ce que je suis ? Dans la zone de convergence. D'après mes plans, il en existe 7 autres tout autour du canon parabolique. Oh non ! Il y a 64 tubes de tir similaires à celui par lequel tu es entré. Tous ces rayons sont concentrés en un seul. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourrait faire avec une telle puissance de feu. Oh, moi je le sais. Trouve un moyen d'accéder à la plateforme centrale. Le dôme d'observation de l'Empereur est juste au-delà. D'après les plans, cette chambre est équipée de plusieurs faisceaux à graviton. Tu peux trouver un moyen de les activer ? Oui, par exemple. Souille. Souille, souille. Jusque là tout va bien. Il y a rien.
Mu. Où est Lolo? La grande daronne, non? C'est lui qui dit ça, mais c'est lui qui vient se coller à moi, quoi. Intelligent, le bonhomme. Gueule toi. Il est fou lui. Bienvenue là. Ah peut-être bien. Où est l'holocron que je cherchais? Ce ne sont pas ces holocrons là que vous recherchez, hein? Quoi? Il est de l'autre côté du coup. Vers le bas. Wow. Ouais, je viens de le voir, je crois. De toute façon, on va attendre que les lasers dégagent, hein, n'est-ce pas? Fils de... Putain, enculé! Juno, où est-ce que je suis? Dans la zone de convergence. D'après mes plans, il en existe 7 autres tout autour du canon parabolique. Fils de... Et il y a 64 tubes de tir similaires à celui par lequel tu es entré. Tous ces rayons sont concentrés en un seul. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourrait faire avec une telle puissance de feu. Trouve un moyen d'accéder à la plateforme centrale. Le dôme d'observation de l'empereur est juste au-delà. D'après les plans, cette chambre est équipée de plusieurs... Je sais. Un moyen de les activer. Thank you.
Quel enfer! Je pense que je dois ramasser tous les zoos con que j'avais déjà ramassé. Je crois qu'il n'y a que les rouges qui réapparaissent étant donné que c'est les bonus directs. Juste que j'arrive à retrouver le jaune, il est juste au-dessus de ma tête. Ok. Oh putain. Nouveau niveau, let's go. Comment elle a atterri sur mon bureau cette fourmi? Ah, putain, j'espère que j'ai pas un trou au niveau de la fenêtre. Oh non, c'est pas sale chez moi. Holocron roux. Oh putain, y'a un holocron qui est là, je l'avais pas vu. Oh mais putain. Comment j'y accède? Bon, déjà, il loue ce putain de sniper à la con, là. Déclencher la mise à feu principale.
J'ai fait quoi? Mais t'es sérieux? Amen. Oh putain, en plus c'est lui. Il y en aura assez là? Fallait pas m'emmerder, mon pote. Fallait pas m'emmerder. Merde, j'aurais dû attendre. Contre l'Empire, vous serez interrogé, torturé. Vous allez me donner les noms de vos amis et de vos alliés. Et puis vous mourrez. Cela ne fera qu'encourager la rébellion. Vos exécutions publiques serviront d'exemple. Elles en dissuaderont plus d'un dans toute la galaxie. La rébellion est déjà une réalité. Seigneur Vador, occupez-vous de lui. Là, va y avoir une petite vengeance, là. Je t'ai bien formé, cette image. Mais tu dois encore progresser. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pour toi, c'est la fin du voyage. C'est ça que tu voulais faire?
Reviens ici, j'en ai pas fini avec ta tête là. Dose. Je vais te montrer toute la puissance du côté obscur. Je suis moyen sûr là d'un coup. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait me niquer au moment où il allait me faire tomber. Saleté. Ouais, de toute façon, je m'en serais douté que ça aurait pas été en one shot. Hein. Le seul que j'ai réussi à one shot, c'est Kota, donc. Et Kazan Paratus, peut-être. Je vais te montrer toute la puissance du côté obscur. Tu vas me lâcher, oui. Ok. Je
pas son vrai visage. Enfin, on voit son visage tout court d'ailleurs. Oui, tue-le. Il est faible, insignifiant. Tue-le. Et tu pourras prendre la place qui te revient de droit à mes côtés. Non. Aide-le. Alors, la question qui pue. Vador ou Sidious, pour commencer? Je suis où? Je me suis pris quoi là? Ah, d'accord, super. Quoi? Il en restait un? Ouais, non, on est d'accord, il en restait pas du tout. Arrête de tirer là, connard. Bon, hé, ta grand-mère hein, par contre. Hein. Sérieusement?
Il m'énerve, va se barrer tout le temps. Sérieux? Je vais mourir comme une merde, je sais pas pourquoi. Et voilà. Oh le timing d'enculé quoi! Non mais ça y est frère, commence avec ça! Tout de suite, allez vas-y, allons-y gaiement! C'est quoi ça? Non mais ça y est frère, au bout d'un moment. La rébellion va mourir avec toi, ici et maintenant. Je suis censé être mort. Ah bah on est parti pour encore 2 heures, hein, parce que là, vu comment c'est parti... L'espoir te rend plus faible. Oh mais surtout que genre vraiment ça n'a aucun putain de sens quoi ce qu'il fait par moment. Eux aussi, ça fait aucun sens par moment. Putain, mais... T'aurais dû fermer ta gueule toi aussi. Je suis où là? Non mais sérieusement?
Ah ouais, bien la caméra. J'aime bien. J'ai adoré la caméra, ce qu'elle vient de faire. Ta loyauté causera ta perte. Oui, bon, on en discutera. Hein. Tu ne peux rien contre le côté obscur. Mais putain, mais comment je fais pour perdre autant de vie avec un seul coup, bordel de merde? Putain, ça fait aucun putain de sens, hein. Il y a des moments où il va me faire aucun dégât, il y a des moments où il va me mettre 40 kilos de dégâts. Ça va, frère, ou dans... Ah, moi c'est eux que j'ai besoin. Bon, et faut niquer leur vos mères à un moment. Tu vas souffrir comme ton père. Je laisse mon père en dehors de tout ça, il t'a rien demandé. J'ai gagné un niveau. Michel Godenov. Ça m'arrange. Ça, ça me sert à rien, j'ai déjà tout débloqué. On va dire, c'est pas grave. Oh t'es sérieux, il a réussi à me toucher le dernier. Enfin, putain, God. Ah, il était temps. Le côté, donc là c'est la fin lumineuse de la force. De me détruire. Vas-y, laisse parler ta haine. Il est vaincu. C'est terminé. C'est un piège. Il est plus fort que vous ne pensez et il mérite de mourir pour tout ce qu'il m'a fait. Peut-être. Mais si tu invoques ta haine pour le tuer, tu auras fait tout ceci pour rien. Vous devriez éloigner Bale et les autres. Je vous rejoins dans une minute. Ah.
ordinateur. Alors il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Il devait dénicher les rebelles. Mais son sacrifice va les encourager. Mais maintenant nous savons qui ils sont. Je vais les traquer et les éliminer. Car telle est votre volonté, maître. Soyez impitoyable, seigneur Vador. Si un seul de ces maudits rebelles survivait, cette alliance que nous avons contribué à créer pourrait causer notre perte. C'est non canon. À l'heure actuelle, c'est non canon, je le rappelle. Sommes-nous prêts à finir ce qu'il a commencé? Alors enfin, l'alliance rebelle est née. Ici. Ce soir. Il nous faut un signe de ralliement. Un symbole. Un symbole d'espoir. Il ne fait plus qu'un avec la Force. Vous avez toujours su qui il était. J'avais des soupçons, c'est vrai. Alors pourquoi nous avoir aidés, après tout ce que nous avions fait? Quand il m'a abordé dans ce bar, parmi ses pensées les plus sombres, j'ai pu entrevoir une lueur d'espoir. Une chose merveilleuse à laquelle il s'est toujours raccroché. Jusqu'à la fin. Quoi? Vous. Quelque semagnon. Donc maintenant vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a une tenue de Starkiller en fantôme de force. Et je passe parce que j'aurai des problèmes. Objectif bonus, non. Ok, il n'y avait pas d'objectif bonus. Les points de force. Il y en avait 500 000, j'en ai gagné 832 000, ok. Et j'ai raté 3 holocrons. Ah, ah. Alors, ça me fait revenir où? Ah, ça me fait recommencer à zéro? Non. Attends, ça me fait recommencer où, là? À zéro. Proxy, montre-moi la cible. Ok. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un... M'en fous! ...pendant la guerre des clones. Tu chasses les Jedi. Je conduis les ennemis de Dark Vador devant la justice. Et toi aussi, maintenant. Allez, Proxy. Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas faits pour le combat. Il disposait donc de sa propre... Je crois que ça m'aurait pris plus de temps. Il n'y avait donc pas de clone avec lui quand l'ordre 66 a été donné. Et après l'ordre 66, il a disparu. Les archives officielles impériales indiquent clairement qu'il est mort. Dans ce cas, pourquoi s'expose-t-il en attaquant l'Empire? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi? 7. Parfait. Nous mettons le cap sur Nar Shaddaa. Passage en vitesse lumière. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. À vos ordres.
Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Elle était beaucoup plus dégueulasse, son armure. Le voilà. Quand il était encore général Kota et non plus le simple Kota chevalier Jedi. Enfin, tu sors de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12 et dites à nos hommes de se mettre en position. Oui, général. Il a fait son gredule, il a fait. Hein, quoi? Eclipse à Star, oui. Alors, jusqu'où je peux remonter? Étoile noire, mais faut que je recommence à zéro. Ah bon. Et bah, vous savez quoi? Ce sera non. Ce sera pas pour aujourd'hui. On fera ça, du coup c'est techniquement la fin du jeu, mais il y a deux fins possibles. Il y a la fin où j'affronte Sidious comme je l'ai fait, et il y a une fin où je retourne affronter Vador. Et la fin où j'affronterai Vador ainsi que les DLC, et plus les phases où j'irai récupérer toutes les tous les holocrons que j'ai ratés, je le ferai la prochaine fois. Le machiavélisme! Bref. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des codes aussi que je dois rentrer pour les tenues, je crois. D'ailleurs, en parlant des tenues, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai toutes les tenues débloquées ou est-ce qu'il y en a... Alors, techniquement, il y en a deux que je n'ai pas. Ok, il y en a peut-être une maintenant que j'ai. Tenue de combat à capuche, celle-là, j'ai jamais vu. Assassin's Creed, j'ai jamais vu. La plupart des tenues qui sont là, je les ai... elles ne sont pas dans la version PS2 ou DS. Une Xbox d'ailleurs. Ah, oh, ils me l'ont débloqué. Ils me l'ont débloqué. La meilleure des tenues. J'ai la meilleure tenue, je m'en fous. Voilà, voilà. Le Starkiller en pure cérémonie Jedi avec le sabre noir. Oh! Mais on va s'arrêter là. Les extras, ça doit être les Dels. Ah non, c'est les cinématiques et la galerie. Ah, moi, c'est ma préférée. Après, il y en a une autre que j'aime énormément aussi, mais je la débloquerai que à la fin de la phase avec Vador, je suppose. Même si normalement, je la débloque presque vers la fin. Et non pas à la fin. Enfin, bref. On va dire c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On a encore un live à faire dessus. On a les DLC, on a les holocrons à récupérer, on a les deux tenues du coup qui restent à débloquer, je sais déjà quelle tenue c'est. Dont une que je trouve particulièrement classe. Mais on verra ça la prochaine fois, hein. Histoire de foutre le guac. Le guac de l'amour, le guac. J'aime bien mettre le guac. Plus sérieusement, demain, on est quoi? Demain mardi? Demain 19h, Zelda Breath of the Wild. Mercredi, on va faire Atomic Heart. Pareil, 19h. Ah, quoi que mercredi? Ouais, si mercredi, 18h, 19h, Atomic Heart. Jeudi, j'ai quoi comme jeu à finir? J'en ai beaucoup. Amnesia. On va faire Amnesia Rebirth. Ah non, mais pour Taco, Nako, va voir mon que t'appelles ton opérateur, hein, parce que là c'est vraiment pas normal.
Oh la vache. En tout cas, j'espère que du coup, cette fin de première partie, entre guillemets, de Star Wars Le Pouvoir de la Force vous aura plu. Je vais pas tout refaire de zéro jusqu'à retourner au combat contre Vador. Je fais d'abord le combat contre Vador, je fais les holocrons et après je ferai les DLC. Enfin le DLC parce que je crois qu'il y en a qu'un, je crois. Du coup, vendredi soir, je sais pas ce qu'on va faire. Je voudrais bien faire du Phasmo parce qu'apparemment il y a une match qui est passée. A voir avec les potes s'ils sont chauds. Samedi, je sais même pas si je vais pouvoir live samedi vu que c'est mon anniversaire et que mes parents vont sûrement vouloir que je passe la journée avec eux. On verra. Dans le pire cas, il y aura un live dimanche. D'ailleurs, faut que je prépare des jeux pour dimanche parce que je compte faire un live 24h. De dimanche à lundi. Donc à voir ce que ça donne. Faut que je trouve les jeux. Parce que je vais pas faire les jeux let's play que j'ai en cours. Je vais faire des petits jeux à la con, je pense, du Minecraft. Des petits jeux indépendants, des trucs comme ça. Enfin, on verra, ça se trouve, il n'y aura même pas de live dimanche, j'en sais rien. On verra ça. Du coup, merci Nako d'être perdu. Du coup, je refais un coup le planning. Demain, Zelda. Après, mercredi, Atomic Heart. Jeudi, Amnesia Rebirth. Vendredi, ce sera... Ça se trouve, il n'y aura même pas de live vendredi parce que... Alors, soit il y a un live et c'est soit du Phasmo avec les potes, soit ce sera Redfall avec Setan. Samedi, bien sûr. Peut-être Dying Light avec Titi et Setan. On verra. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous à tous et à la prochaine. Les autres aussi, Nako, bon Dieu!